sicker than the system full of posery and misery. I bring the dignity and clarity. I'm ready to go, the king on the road, the king on the throne. I'm grinding in the battle zone, now give me the bone. I'm the wildest in the tarot, I'm gonna bring it at home. Titans and the tragic stones, scratching pirates with the hammer. Got the finger on the trigger. The moment I've been waiting for, the moment I've been playing for. I gotta get the cake, cause I've been living for this moment, yeah. This is for my enemies, this is for the show. Giving everything I got, there's only one shot. You know rocking with the best. It's pumping in your chest. There's only one chance, there's only one shot. You know rockin' with the best. And it's poppin' in your chest. We're giving everything we got. There's only one chance, there's only one shot. Begin to pray. Smash. Allez, bah c'est parti pour l'essai de ce nouveau Ducati TK01RR. Allez, on arrive sur deux petites épingles. On va voir justement si c'est maniable en montée. C'est fait pour les grandes montées enduro. Ça tourne bien malgré quand même sa fourche et sa roue avant très avancée, plutôt typée descente. Je vais me la refaire un peu en descente justement. Il sera plus dans son élément. On va voir ce que ça donne. Peut-être un stoppy, un nose turn sur celui-là. Ouais, ça se contrôle facilement. Un virage normal. On voit qu'avec le mulet, la petite roue à l'arrière et la grande roue à l'avant, ça compense bien quand même. On va aller chercher maintenant des descentes un peu plus poussées, puisque c'est là, c'est pour ça qu'il a été conçu. Pour les grosses descentes, ce vélo, c'est finalement en fait un gros vélo d'enduro, voire presque de DH qu'on a entre les jambes avec un moteur. Je sais qu'il y a une petite montée là-bas avec plein de cailloux. On va voir ce que ça donne. Le test ultime va avoir lieu ici, une grande montée bien raide avec tout ce qu'on aime. Des racines, des pierres bien lisses, un peu de boue, ça va glisser dans tous les sens. Et là, je vous garantis que normalement, les manivelles frottent, les pneus vont glisser. Donc si j'arrive en haut, je pourrais dire que ce Ducati est plutôt pas mauvais en montée. Alors, c'est parti. Allez, allez. Oh. C'est passé. Ouh. Incroyable, c'est passé. Malgré toutes les glissades et tout qu'il y a pu avoir, c'est passé. Ouh. Bon, je vous cache pas qu'il aura quand même fallu une petite dizaine d'essais pour y arriver. Mais incroyablement surpris par le pédalier, la relance qu'on peut avoir avec ce vélo. Avec ce pneu en 27.5, ça relance bien dans les trous. Ah, vivement la descente maintenant. Bon, finalement, je trouve que c'est vraiment dans ce genre de terrain qu'on peut vraiment exploiter au maximum les VTT électriques, jouer sur toute sa puissance, puisque là, on est sur le moteur Shimano EP8. Allez-y, allez-y. Je vais m'arrêter là. Petit franchissement technique, là. Bien. Ça enroule tout seul. Les manivelles n'ont pas tapé. Ça, c'est vraiment cool. Je suis agréablement surpris par la hauteur, finalement, du boîtier de pédalier qui vient très rarement accrocher les obstacles et ça en fait plutôt un bon grimpeur. Ah, joli bouquet. Alors là, on va faire attention. Hop. On arrive sur des pierres cette fois-ci en descente. Continue un peu la partie trial avec plein de petites pierres bien lisses. Et vous voyez là, je touche jamais les manivelles. J'accroche très rarement. Hop. Bon, alors là, il y a des pointes. Hop. Allez, ça passe. Pardon. Merci. Merci. Première partie de descente. Pareil, bien technique dans les cailloux. Sur les hauteurs de Grenoble, juste avant d'attaquer la partie très intéressante, la descente. Alors Ducati n'a pas pris trop de risques en mettant ce Shimano EP8 sur ce vélo. Par contre, je m'attendais peut-être à une batterie un peu plus grosse sur ce genre de gabarit. On n'est que sur du 630 kWh en batterie. Je sais que beaucoup d'autres marques maintenant mettent du 750 ou voire plus gros. Et notamment ce genre de vélo, je pense à une utilisation quand même de descente, et avant la descente il faut monter, et je pense que
des gens qui aiment vraiment attaquer en descente, aiment vraiment attaquer en montée. Donc potentiellement, on va souvent être en boost, donc utiliser beaucoup de batterie. Là, sur ma montée, j'ai fait 11 km, seulement 11 km. Et j'ai utilisé déjà 3 barres sur 5 de ma batterie. Donc c'est vrai que pour un usage agressif, on va dire, trialisant, où on est souvent, on utilise souvent le mode boost, bah là j'ai peur que 20 km ce soit un peu le maximum avec ça. On va voir en tout cas. Là on part sur la phase descente et on fera un vrai débriefing de ce vélo. Allez, bah là on va l'amener dans son élément maintenant, la descente, ce Ducati très typé descente. Là on va utiliser tout le potentiel du vélo, on va aller chercher un peu de vitesse, très précis, j'aime beaucoup. On peut vraiment placer les roues où on veut. Les suspensions all-in, elles sont vraiment très agréables. Super fin au pilotage. Hop. Ouais, j'aime beaucoup. On sent pas l'électrique. Ces pneus en 2-6, notamment dans ces pierres-là, ça le rend vachement confortable. Ouais, c'est cool ça. Vraiment de bonnes sensations en descente. Vraiment très cool à rouler. Hop. Il répond vraiment bien. Les suspensions, elles sont vraiment cool. Tiens, on va tester un peu de freeride ici. Hop, pour voir. On se boulait là. Hop. Attention là au dérailleur. Hop. Il tient bien dans les virages. C'est un vrai vélo de descente là. Là on voit vraiment tout le potentiel du vélo. Incroyable. Là vraiment les gars, ça doit être un électrique, on s'amuse vraiment. On a l'impression d'avoir un enduro, voire un petit VH dans les, entre les jambes. Hop, petit goulet ici, ça va être sympa. Yes. Hop, merci. Waouh, quel vélo. Sûr et certain maintenant, c'est un vélo qui est fait pour descendre. Incroyable. Et franchement, il est super bien équilibré. Les suspensions all-in, elles font vraiment bien le travail avec ces 181 mm de débattement à l'avant et ces 170 à l'arrière. Le rendre vraiment très précis dans son pilotage. Les pneus en 2-6, honnêtement, j'avais un peu peur. Je pensais que ça allait être un petit peu bateau. Finalement, ça amortit bien tous les petits cailloux. Plutôt le bon compromis. Le seul point négatif que je pourrais donner, c'est les freins Deor XT avec des disques en 203. Je trouve que sur ce genre de vélo très orienté descente, ça manquait un poil, peut-être un poil d'agressivité dans les freins. J'aurais aimé peut-être des freins un poil plus agressifs. Alors, deux options, soit en mettant des disques un peu plus gros, je crois qu'on est sur du 203 ici, peut-être en passant sur des sections un peu plus grosses, 220-223. C'est vrai que les Shimano sont quand même assez réputés pour être assez doux, pas forcément très agressifs, et peut-être plus d'agressivité avec d'autres freins. En tout cas, peut-être des sections un peu plus grosses sur des freins, ça serait pas mal. Sur un vélo aussi descendeur que ça, des fois on est... Bah, c'est pas qu'on... On se fait un peu peur des fois au niveau du freinage. Voilà, j'attendrai quelque chose d'un peu plus agressif, mais sinon franchement vraiment bien.